Alors, l'économie sociale et solidaire, nous, dans l'action que l'on mène à l'échelle de Rennes Métropole, on se réfère à la loi ESS du 31 juillet 2014. Et cette loi, elle a défini ce qu'était l'économie sociale. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit simplement qu'on entend par économie sociale et solidaire, traditionnellement, c'est toutes les associations, toutes les coopératives, toutes les mutuelles. C'est-à-dire, en fait, des entreprises qui ont un objet autre que la seule recherche du bénéfice, ou plutôt qui utilisent leurs bénéfices à des fins d'utilité sociale, d'utilité environnementale. L'activité économique est un support pour développer des actions sociales et environnementales. Et donc on parle effectivement traditionnellement des associations, des coopératives, des mutuelles, mais aussi de toute entreprise, quel que soit son statut, à partir du moment où elle a des principes de fonctionnement démocratique et surtout qu'elle a une activité économique qui a un impact social et environnemental positif pour les territoires. En lien avec l'alimentation, on a aujourd'hui évidemment des structures comme l'École Vert qui font du travail dans ce domaine-là. Historiquement, on a aussi des associations comme Vert le Jardin, par exemple, qui travaillent aussi sur les jardins partagés. Ça a été parmi les précurseurs, effectivement, ici à Rennes et puis à Brest, où il s'est implanté historiquement pour le développement des jardins partagés. Ils ont une activité assez importante sur ça. On a aussi la Maison de la Consommation et de l'Environnement, qui réunit beaucoup d'associations environnementales et qui touche comme aux rivières de Bretagne par exemple à la question agricole. Et puis on a aussi des structures d'insertion. Je pense au Jardin du Breuil, qui est un chantier d'insertion, donc qui emploie des personnes éloignées de l'emploi et qui cherchent à leur permettre de reprendre une activité professionnelle par le maraîchage. Donc les Jardins du Breuil, ils produisent des paniers bio qui sont vendus ensuite aux Rennaises et aux Rennais. Sur la question alimentaire et la question agricole, on a un enjeu aujourd'hui. C'est à la fois d'avoir une agriculture qui soit respectueuse de l'environnement, surtout ici en Bretagne, où les dérives du modèle agricole breton impactent très fortement et très négativement notre environnement. Et le contre-coup, c'est que, et c'est tant mieux, on a de plus en plus de citoyens et de consommateurs qui demandent des productions de qualité, des productions qui soient respectueuses de leur santé, qui soient respectueuses de leur environnement. Donc le premier enjeu aujourd'hui, c'est d'avoir des productions alimentaires à proximité des villes qui soient justement au maximum en bio, qui utilise le moins de pesticides, le moins d'intrants possible pour justement préserver l'environnement et puis la santé des consommateurs. Donc ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est que on a aujourd'hui un modèle agricole qui ne permet pas aux paysans de vivre. Voilà, les paysans, c'est une des catégories de travailleurs en France qui a certainement le moins de revenus par rapport au travail qui est fourni. Et dans l'économie sociale et solidaire, il y a cette notion justement de commerce équitable, d'avoir une activité économique qui soit rémunératrice pour ceux qui travaillent. Et en ça, je pense que les formes coopératives, notamment les entreprises sociales, elles apportent des réponses aux problèmes que connaissent le monde paysan aujourd'hui. Et puis le troisième enjeu, c'est la question de la transparence, du localisme aussi, d'avoir des productions agricoles qui... On veut savoir d'où proviennent nos aliments, on veut savoir où est-ce qu'ils sont fabriqués, on veut qu'ils aient fait le moins de kilomètres possible. Et l'économie sociale et solidaire, bah, par définition, par nature, elle permet d'associer aussi les consommateurs à la production et donc de rendre transparentes aussi les filières alimentaires. Et en ça, elle est une manière d'entreprendre, une manière de produire qui répond vraiment à la demande des habitants d'aujourd'hui, qui peut répondre aux problèmes qu'ont les paysans, notamment en matière de revenus et de prix. Et c'est pour ça qu'elle a un bel avenir devant elle pour développer l'agriculture dans les villes, à proximité des villes, mais aussi évidemment là où l'agriculture est la plus présente aujourd'hui, en milieu rural.
Un impact positif qu'on voit très concrètement de l'économie sociale et solidaire ici à Rennes Métropole, c'est que l'ESS, c'est un très gros pourvoyeur et un très gros créateur d'emplois. Aujourd'hui, on a cette multitude d'entreprises de l'économie sociale qui est un tissu extrêmement dynamique, qui innove beaucoup et qui est fortement créateur d'emplois sur le territoire. Donc sur le plan social, c'est un secteur qui est un vrai atout pour le développement économique de notre territoire. Et ce développement économique, justement ici à Rennes et en Bretagne en particulier, il est très fortement lié à la question agricole et à la question alimentaire. Et donc, de fait, historiquement, on a des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui sont présents dans ce secteur-là. On voit que c'est une préoccupation forte aussi de beaucoup de porteurs de projets en ESS aujourd'hui, mais qui amènent des choses nouvelles et qui cherchent de nouvelles solutions, cherchent de nouvelles manières de produire, cherchent de nouvelles manières de commercer, de nouvelles manières de faire et sont en train d'inventer finalement un nouveau modèle qui est en train de se mettre en œuvre sur les territoires aujourd'hui et encore une fois qui répond à une attente, à un besoin des habitants, des entrepreneurs et de ceux qui produisent.